Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler au cœur d'une femme. Et le thème de mon message, c'est il eut un soir. Il eut un matin. Il eut un soir. Il eut un matin. Nous sommes dans le livre des origines. Et nous allons lire la parole de Dieu. Il eut un soir. Il eut un matin. Et nous allons voir ensemble ce matin la problématique de ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des questions que tu t'es longtemps posées. Et ce matin, par la grâce de Dieu, tu vas parler. Il eut un soir. Et sois ma fille, pourquoi? Il eut un matin. Et sois ma fille, tombe. Et ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 5. La Bible déclare, Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Verset 13. Il eut un soir. Il eut un matin. Ce fut le troisième. Verset 19. Il eut un soir. Il eut un matin. Ce fut un quatrième. Verset 23. Il eut un soir. Il eut un matin. Ce fut le cinquième. Verset 31. Dieu vit alors ce qu'il avait fait. Et voici. C'était très bon. Il eut un soir. Il eut un matin. Ce fut le sixième. Avant dans le livre du prophète Esaïe. Esaïe chapitre 55. Tu vas comprendre quelque chose ce matin sur la problématique de ta vie. Certaines de questions que tu t'es posées. Que tu as accepté le Seigneur. L'Éternel, le Dieu que tu pries, dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vous. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je ne sais pas lorsque vous lisez ce passage de l'Écriture. Comment vous recevez cette parole? Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu que nous chantons, il déclare lui-même d'une manière solennelle à toute la création. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire que je ne pense pas. Je n'agis pas. Je n'opère pas comme vous le pensez. Quand vous pensez qu'il y a l'injustice, je dis cela que je vais éclater ma justice. Parce que les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs des hommes. Et nous accusons
ne sont pas propres. C'est pas parce que tu as échoué que tu as échoué avec toi. Je parle à quelqu'un. C'est pas parce qu'on t'a rejeté que Dieu t'a rejeté. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc nous allons poser un cadre ce matin. C'est que le Dieu que nous prions, il n'est pas dans le système de logique et de réflexion humaine. Parce que si tu n'arrives pas à poser ce cadre, tu vas continuer à souffrir, à te lamenter. Parce que la foi a toujours un objet. On croit toujours en quelqu'un ou en quelque chose. Donc l'objet de notre foi, c'est Dieu. Et notre foi se repose sur Dieu. Mais ce Dieu-là, il faut le connaître. Dans la Bible, et je vais expliquer, je vais mélanger tous ces passages pour vous faire comprendre la volonté de Dieu pour vous. Il est un soir. Le soir, c'est quand tout va mal. Le soir, c'est lorsque tu as incompris. Le soir, c'est là où apparemment il y a des échecs et des problèmes.